Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau let's play, si on peut dire, puisqu'on va s'attaquer au deuxième et dernier contenu bonus de Resident Evil 4. En tout cas, le deuxième et dernier qu'on fera, parce qu'il existe Mercenaries, mais ça, c'est un mode de survie, donc ça ne nous intéresse pas. Par contre, Assignment Ada, je crois qu'il y a un petit peu de scénario, ou un truc qui se passe durant le scénario, donc on va le faire. Hop! Avec une Ada très classe. Have you retrieved the sample? Not yet. Some kind of trouble? Sadler. He knows. Ah. Your extraction chopper will pick you up at the rendezvous point as planned. I'll be there. Objectif, récupérer 5 échantillons de Plagas et aller au point de rendez-vous. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà des armes. Parfait. Une grenade. Bon. Qu'est-ce que nous dit la carte? Ah oui, je vois où est-ce qu'on est. Vous croyez que je peux... Voilà. On s'aménage un peu de place. Bah, un ennemi en moins pour tout à l'heure. Je l'utilise maintenant parce que je l'utilise assez rarement, donc je pense pas que les munitions vont me manquer beaucoup. Ok. Bon, pour l'instant, ça se fait. J'aurais espéré qu'il tombe. C'est pas au menu. Ok, un au moins. Toujours pas mort, lui. Ok. Bah, ils m'ont coûté cher en munitions, eux deux. De l'herbe jaune. Bon, l'herbe jaune, c'est cool, mais j'ai pas d'herbe verte ni encore moins d'herbe rouge. Donc pour le moment ça ne sert pas à grand chose, c'est pas vraiment du soin, peut-être plus tard. J'allais dire, j'espère ne pas avoir de mec à la mitrailleuse. Thank you.
Ah putain. Rester trop fixe. Je vais tellement crever. Oui, le problème c'est lui. Lutter toi, oui. Traverser les murs, on la connaît. Ok. Tout ça pour une grenade, super. Ça c'est un peu plus intéressant. Alors là, j'ai besoin de bien fouiller aussi. Putain. J'ai sûr que j'ai pas un angle là. Voilà. T'as pas ton grappin. Et pourquoi t'es dans cette tenue au fait, Ada? Parce qu'elle est très stylée, hein. Ça c'est pas la question. Est-ce que c'est plutôt un contenu non canon, peut-être?
Alors, c'est avant. Peut-être que Wesker a essayé de l'envoyer auprès de Sadler pour récupérer les échantillons et elle a loupé. C'est pour ça qu'il y a Luis et Krauser après. Je ne sais pas. Je fais des suppositions, mais j'ai pas la réponse. Vraiment. Ok, lui on n'en parle plus. Toi non plus. Il a évidemment buté. Je t'ai entendu, hein, je sais que t'as muté. Ramène-toi. Ramène-toi, ramène-toi. J'essaye d'utiliser un peu plus le fusil. Bon, après, j'aimerais bien quand même avoir un pompe. Notre herbe jaune, pour l'instant ça me sert pas. Donc ici le trésor, c'est une grenade. Bon bah pourquoi pas. Calme-toi. Bon, j'ai immédiatement utilisé la grenade, mais bon. Malheureusement, n'ayant pas de pompe. Faut que j'arrive à trouver un truc un peu plus efficace contre les mecs au bouclier. Ouais, t'es sérieux?
Non, je vais pas paniquer. Chercher lui. Vas-y, 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 viens. Attendre. Bon, après je serais peut-être mort. Sérieusement. Trop de portée, vous. Vraiment beaucoup trop de portée. Un peu trop généreux sur la vie, je pense que je vais avoir des problèmes. Définitivement trop généreux sur la vie, vous. J'ai réussi à me balancer sa hache avant que je puisse tirer dessus. Bravo à lui. Bravo, bravo, il a été vif. Cette porte est verrouillée, il faut trouver un autre moyen d'entrer dans le complexe. Et bien par cette bouche d'aération laissée ouverte. Beaucoup de régénérateurs ici, ce qui m'inspire pas confiance du coup.
évidemment. Il en fallait bien un qui mute. J'ai bien fait de préserver mon soin là. Tac, ici. J'aurais peut-être conservé mes balles de fusil parce que s'ils ont. S'ils ont remis des régénérateurs dans le lieu, les balles de fusil vont être mon meilleur ami. Et je risque fortement de me louper. Ok. Donc ce qui est marqué comme trésor, c'est mes objectifs. Échantillon de plaga. Ok, j'ai récupéré le premier, le deuxième devrait pas être trop loin. Ça c'est pas mal. Ah, ça prend de la place. Ça va être compliqué ça. J'espère qu'il se stack, mais j'ai un doute là-dessus. Deuxième échantillon. Après, il y aura peut-être pas forcément des régénérateurs. Parce que j'ai pas la vision thermique. Donc je peux pas vraiment les tuer du coup. C'est peut-être ça. Aïe. Ok, toi tu meurs, on va déjà se faire ça. Bonjour monsieur. Au revoir messieurs. Est-ce qu'on peut jouer avec... Ah. C'est dommage. C'était marrant. J'ai pas prévu qu'il y avait lui par contre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Oui, bah oui. Évidemment. Ça va, le jeu est gentil.
fait reprendre pas trop loin. Alors ma question est... Ça passe ça? Yes. Qui va venir là? Oui. J'ai pas le temps de me viser. Ok. Ça c'est pas mal. Vraiment. J'ai pris très très cher, hein. J'ai plus de soins, faudra que je joue quand même plus prudemment parce que... Ah c'est un peu complexe. Ouais. Ils ont verrouillé la porte. Il va muter. Évidemment. Évidemment, si on sait pas drôle. Voilà. Sauf que je t'attendais. Petite recharge. Est-ce que je peux ouvrir un casier? Non. Oh, bonjour. Alors, toi, tu meurs, s'il te plaît. Ah. Je pense qu'il était en train de préparer un truc pour moi, là. Je pense que c'est pas passé loin. Une petite décapitation. Ok, là je pense que ça fait un point de sauvegarde à chaque fois qu'on est sur une zone qui charge comme ça. On va commencer quand même à recharger ça parce qu'on va devoir très certainement l'utiliser assez vite. Ok. Combine. Petite grenade. J'étais pas sûr que ça fonctionne, mais c'est passé. En plus, il m'a remboursé ma grenade. On est content. Aïe. Non, 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 non. Calme-toi.
Ok, j'ai échantillon. Le truc, c'est que moi, j'aimerais de l'herbe rouge. Je vais avoir un long chemin. On va atteindre le dernier échantillon. Chaque fois je me dis que peut-être la discrétion pourrait passer, mais c'est pas un jeu de discrétion. Ça me permettra de tanker un petit peu. L'arme rouge que j'attendais est en dessous. Ok, bon pour l'instant ça se passe bien. Quelques petites erreurs par-ci par-là, mais ça va. Beaucoup trop de balles de pistolet par contre. Ça veut rien dire. C'est verrouillé. Oh merde. Ok. Yes. Ouf, ma vie. Ok. Étonnamment, j'ai réussi à le gérer sans trop de dégâts. C'est... plus les boucliers qui m'ont fait... suer. Ils m'ont ouvert la voie, très bien. Et là, on a un petit placard en face. C'est le petit placard, c'est le petit placard. Ok, bon, pour l'instant tout se passe bien. On espère que c'est une sauvegarde. Il nous reste quelques salles à faire et on aura les 5 échantillons. Pardon, je bafouille. Ok.
T'es en train de m'équiper là. J'aime pas ça. J'aime pas ce que t'es en train de faire le jeu. C'est bon. Avoir un système de sécurité permettant de déverrouiller les portes, peut-être par ici. Oui, c'est ça. Ce que je suis en train de faire est complètement suicidaire. Ah, déjà lui. Toi. Et tant qu'on y est, toi aussi. Mon pont me manque. Faut mourir. Voilà, merci. J'ai cru qu'il allait jamais s'effondrer. Ok, on y est. Donc là, ici, il y avait un marchand avec Léon. Sérieusement? J'ai pas envie de raffronter Krauser par contre. Bon, clairement c'est pas dans l'histoire. C'est pas de raison qu'en fait. Ah merde. Tu fais avoir.
c'est chiant, c'est chiant. Oh mais non. Comment je suis censé t'avoir avec ça? Non, c'est pas possible. Ah, je suis morte. En fait là c'est pas le problème de l'espace, c'est... J'ai pas les armes. J'ai pas les armes pour Krover. Ouais, s'il se protégeait pas... Ça pourrait se faire, mais... Le simple fait qu'il arrête pas de se protéger... C'est chiant. Double coup de pied. Non. Ah, je pensais pas qu'il me remettrait un coup au corps à corps. Je voulais me soigner. Je voulais me soigner, j'appuyais dessus, mais ça... Ok, quand je suis au sol, je peux pas. Ouais, je me doute bien hein, qu'il faut que je bouge, mais... Flemme. Ah. Pinaise. Faut que je relâche plus vite. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Toi. Mince. Est-ce que tu veux bien mourir? Ah putain, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. T'as pas le temps de réagir. Ah, t'as pas le temps de tirer quoi. Oh là là, mais je loupe toutes mes esquives. Putain, mais je fais nimp.
Non, je suis tombé. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire LTRT, ça n'a aucun sens, mais... Si on l'a, il peut faire... Ah putain. Je me saoule. Je me saoule. C'est totalement ma faute. Je sais pas pourquoi j'appuie sur XA quand il faut faire LTRT. Et quand il faut faire XA, je fais LTRT. C'est... N'importe quoi. J'ai deux tensions aujourd'hui, c'est pas possible. Heureusement que j'ai vu les touches juste avant de faire la pause. C'est trop chiant de devoir lui tirer dans les pattes là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, ça c'est pas mal. T'inquiète que je vais pouvoir les prendre. Oh, voici. T'es vraiment... Le combat de boss, tu vas le tuer en lui tirant dans les pieds. C'est un peu nul. Le problème, c'est que j'ai rien pour le faire exploser, donc. Ce qui est un peu sa faiblesse. Ça juste pour avoir... Ah putain, non. Le timing était pas bon, le timing n'était pas bon. Est-ce que tu veux bien mourir? Et ben enfin. Écoutez, j'ai 5 échantillons. Et j'ai plus rien d'autre. J'espère qu'il n'y a pas un dernier boss.
Bon, je me suis un peu saoulé moi-même hein, aussi. Très clairement, c'est aussi de ma faute. Punctual. I like that. Is Krauser there? He's dead. Pity. But after all, just another expendable grunt. Thanks to you, however, Umbrella's one step closer to its re-establishment. And once it is, there will be significant changes in our world. La musique qui est trop forte. Pour vous, je l'aurais baissé, mais... Et voilà pour Assignment Ada. Donc c'était un tout petit bonus en un épisode. C'est pour ça que je le regrouperai avec Separate Ways. C'était sympathique, mais c'est dommage de réaffronter Krauser. Ça aurait été bien, vu que ça réutilise totalement tous les endroits... qu'on a vu avec Léon, ça aurait été bien de pouvoir avoir un petit boss différent, mais bon, tant pis. Après, bon, c'est aussi moi qui ai très très mal joué, voilà, c'est un mélange des deux. Enfin, en fait, surtout, c'est que, à la limite, il nous aurait donné l'arbalète, ça aurait été sympa, mais là, bon, lui viser dans les pieds, c'est un peu chiant, quoi. Donc voilà, puis bon, c'est la troisième fois qu'on l'affronte, Krauser. 4, si on compte les deux fois qu'on... Enfin, il y a une... Si, on l'affronte deux fois avec Léon. Bah, il y en a une en forme QTE, et puis après, il y a un vrai combat. Mais c'est vrai qu'après, on le fait dans Separate Ways, et on le refait là. Bon, c'est un petit peu dommage d'avoir 4 fois Krauser. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. C'est un petit bonus supplémentaire. Ça nous a rajouté un petit épisode... regardez à nouveau la cinématique de fin. Non, c'est bon. En commençant Separate Ways avec ce fichier, vous pouvez acheter une Chicago Typewriter chez le marchand. Très bien. Et ben voilà pour Assignment Ada. Et pour Resident Evil 4, ça y est, on en a fait le tour. On a fini le jeu de base, on a fait Separate Ways, on a fait Assignment Ada. C'est terminé pour ce grand jeu, parce que c'est vraiment un très 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 bon jeu sur Resident Evil 4, version 2005, hein, je rappelle, c'est la version originale HD, puisque c'est la version PC sortie en 2014. Mais voilà, c'en est terminé avec celui-ci, et puis ben, nous, demain, on se retrouvera pour un nouveau Let's Play sur une licence... dont il y a déjà eu un jeu sur la chaîne et qui vous avait pas mal plu, donc je pense que vous serez très content de découvrir ça demain. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de faire ce Resident Evil 4. On va évidemment continuer la licence Resident Evil et le prochain jeu de la licence, ce sera Outbreak File 2, donc la suite de Resident Evil Outbreak, en espérant que ce soit quand même mieux que le premier, en tout cas on découvrira ça ensemble d'ici quelques temps. Il va y avoir quelques let's play entre et quelques let's play assez longs, donc il faudra un petit peu patienter. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée à tous, à très vite pour la suite, pour de nouvelles aventures, et puis la suite de la licence Resident Evil. Portez-vous bien, et à la prochaine.